assez fait rentrer chez nous. Non, ne les convions pas pour un simple goût. Ne prenons pas le risque de contracter ces maladies. C'est pas un préavis, mais il y va de nos vies. Faut-il pleurer ou plaidoyer, agir ou s'inquiéter, ou encore sans rien faire, se laisser détruire? Faut-il laisser ces calamités nous nuire sans y faire face? Non, il faut dire sida, chlamydia. Jamais vous ne passerez par moi. Il faut qu'on se dise qu'on évite une peine aux personnes qui nous aiment. Ainsi prenons cette peine de lutter contre le problème. Jamais vous ne passerez par moi. Laissons pas ces fléaux entrer chez nous. Non, ne les convions pas pour un simple coup. Ne prenons pas le risque de contracter ces maladies. C'est pas un préavis, mais il y va de nous. Pas forcément misogyne, mais mes pulsions sont soumises aux gènes. J'parle même si mon misogène en péricard, la morale n'est pas transmise aux gens. Donner des préventions, c'est bien, mais quelle leur importance si l'homme en soi n'a même pas conscience de dire MST. Jamais vous ne passerez par moi. La morale est une arme de table contre les MST. Laissons pas ces fléaux entrer chez nous. Ne les convions pas pour un simple coup. Prenons pas le risque de contracter ces maladies. C'est pas un préavis, mais il y va de nous. C'est une fille de joie, sans souci ni loi, ignorant le danger. Sexualité non préservée, pensait être épargnée, mais fut hospitalisée pour avoir fait semblant d'ignorer la réalité. Elle laissa ses parents, il laissa sa vie, faute de moralité. Sa tristesse, et nos vies sont constamment plongées dans la détresse sans cesse. Car elles ne tiennent qu'à un fil. Non, laissons pas ces fléaux entrer chez nous. Non, ne les convions pas pour un simple coup. Ne prenons pas le risque de contracter ces maladies. C'est pas un préavis, mais il y va de nous.